Une semaine après l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade, alors sous l'emprise de la cocaïne, l'enquête se poursuit. Samedi 18 février, BFM TV a révélé que les deux passagers qui accompagnaient l'humoriste étaient repassés à son domicile après la violente collision. Nouvelle révélation dans l'affaire Pierre Palmade. Vendredi 10 février, Pierre Palmade, alors sous l'emprise de la cocaïne, a provoqué un grave accident sur une route départementale de Seine-et-Marne. Outre le comédien, l'accident a fait trois blessés graves, un homme, son fils et sa belle-sœur enceinte qui a perdu son bébé à 6 mois de grossesse. Pierre Palmade a depuis été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous assignation à résidence au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique, a annoncé vendredi 17 février le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourle, dans un communiqué. Les deux personnes qui accompagnaient l'humoriste, et qui ont pris la fuite juste après l'accident, ont quant à eux été mis en cause pour non-assistance à personne en danger. Nouvelle révélation concernant les passagers de Pierre Palmade. Samedi 18 février, BFM TV a dévoilé de nouveaux éléments concernant les circonstances du drame. Selon la chaîne d'information en continu, le travail d'exploitation des images issues des caméras de surveillance ont permis de reconstituer la fuite des deux passagers qui se trouvaient dans la voiture de Pierre Palmade. Ils seraient retournés au domicile de l'humoriste juste après l'accident. Les deux hommes, âgés de 33 et 34 ans, ont pu être identifiés grâce au bornage de leur téléphone portable. Pour l'instant, aucune information n'a été dévoilée sur la raison qui a motivé ce retour chez le comédien. Ils ont été placés vendredi sous statut de témoin assisté. Après avoir fui le lieu de l'accident, l'un d'eux s'était finalement rendu à la police tandis que l'autre a été interpellé plusieurs jours plus tard à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Affaire à suivre.